Peuple des trois pays du Maghreb ne s'attendait pas à ce que la France réduise drastiquement la délivrance de visas pour les ressortissants algériens, marocains et tunisiens. Des Tunisiens ont exprimé leur inquiétude après cette décision. Ces visas qui sont octroyés aux Tunisiens qui veulent se déplacer en France pour faire du tourisme ou pour faire des affaires ou pour faire des études, c'est une mesure qui handicape encore plus le flux des personnes dans les deux sens. Nous, on ne fait pas de restrictions sur les visas, on ne demande même pas de visa. Compte tenu de l'imbrication des intérêts entre les peuples tunisiens et français, certains Tunisiens considèrent cette décision comme un acte très sévère de la part du gouvernement français. Que je suis un franco-tunisien, je vais amener, c'est juste. Je vais amener ma femme avec moi, je suis malade, il faut qu'elle s'occupe de moi. Et c'est pas, ma femme n'est pas jeune pour qu'elle travaille ou ce qu'ils pensent eux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, chacun a ses problèmes. Et ce que je demande à la République française, qu'elle facilite cette mesure pour que les gens y trouvent leur respiration envers la France. Franchement, il ne peut pas empêcher donc les autres de se déplacer à la France. Et ils ont des travaux là-bas, ils ont des études, ils ont des affaires à faire. Donc comment tu empêches une personne de voir sa famille qui réside là donc. Quant au secteur du tourisme, il est l'un des secteurs les plus touchés par cette décision. La France est une destination très importante pour les agences de voyage tunisiennes. Certainement, ces mesures vont toucher essentiellement aussi le secteur du tourisme. Vous savez, maintenant, le secteur du tourisme est sinistré. Et on rajoute des mesures comme ça, ça va être touché. Nous aussi, certainement, on va être touché par ces mesures. Le nombre de vacanciers qui partent à l'étranger va diminuer systématiquement. Et donc, on s'attend que réduction massive dans les gens qui sortent et tout ça, donc ça impacte directement notre secteur. En plus de la Tunisie, le Maroc est concerné par cette décision. Le fait de réduire de manière drastique l'octroi de visa aux ressortissants du Maroc a suscité de vives réactions. Les Marocains trouvent le durcissement français autour des visas aussi incompréhensible qu'inattendu. C'est une décision incompréhensible qui touche ces deux pays frères, d'autant plus que la communauté marocaine en France est un élément essentiel dans la vie sociale de ce pays. Elle contribue toujours dans la vie politique française. En plus, cette décision est également un coup dur pour les étudiants marocains qui contribuent à la relance de l'économie française. Pour certains Marocains, cette décision fait suite au refus du Maroc d'accueillir certains immigrés clandestins en France. La décision de réduire le visa fait suite au refus du Maroc d'accueillir certains immigrés clandestins en France. Et c'est le droit du Maroc car la plupart d'entre eux n'ont pas de papier d'identité et ils peuvent constituer une menace pour la sécurité des Marocains. À mon avis, la France s'est peut-être trompée dans cette décision. Quant au gouvernement marocain, il a répondu officiellement par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, qui a souligné que la décision de la France est injustifiée et ne reflète pas la réalité de la coopération consulaire dans la lutte contre l'immigration clandestine. Achraf Massoud, pour CGTN français.